On a mis les bébés dans un parc pour les différencier, pour que les mamans puissent être avec eux. Puis là, je viens de rentrer et dans le parc, en fait, voilà. Eh bien, j'ai trouvé. Dans le parc, il y avait tous les chiots. Et je n'ai pas compris comment ils pouvaient passer vu qu'il y a du grillage. Eh bien, voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas de trou, hein, en fait. Hein. Le grillage va vraiment jusque dans la terre. Sauf qu'il y a un petit carré, un peu plus grand que les autres. Tia! Faut qu'ils arrivent à trouver le carré où ils peuvent passer, en fait. Ce qui n'est pas simple. Et c'est pas les plus petits qui passent, puisque là, il y avait les gros tout à l'heure. Ils savent bien qu'ils sont passés par là tout à l'heure, mais le temps qu'ils comprennent qu'il faut se baisser la tête, encore, faut baisser encore la tête, voilà. Mais de l'autre côté, à droite. C'est-il pas malin, ça? Sachant, nous, que nos grilles sont sous terre, en fait. Hein. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut qu'on remette un petit bout de grillage rigide ce côté-là. Puisque de l'autre côté, tout est bien. Et de l'autre côté, ils peuvent pas. Il y a juste ce petit bout-là. Ils viennent de le faire, donc ils n'ont pas trop compris l'astuce, ce qui est plutôt bien. C'est dû être un hasard s'ils ont réussi à passer tout à l'heure. Tia ? Tia ? Viens. Ils savent que c'est par là, en fait. Hein. Ah, il s'est engueulé l'autre. Ah, lui il sait. Lui il sait que c'est par là. Bon, j'ai vu de toute façon, je vais réparer.